L'objectif en fait de ce séminaire-là consistait vraiment à les initier d'abord à l'entrepreneuriat, avoir un esprit d'entrepreneur, mais également à quoi consiste une entreprise, les initier, les former là-dessus, mais également à travailler sur des projets, avoir des idées de projets. Donc c'est la partie idéation. Comment mettre en place, comment trouver une idée, une bonne idée surtout. Les idées, c'est vrai qu'on en a, tout le monde en a, ils peuvent en avoir venant de partout, mais aussi avoir des idées innovantes, créatives. Donc la première journée aussi consistait à travailler sur les idées qui pourraient ressortir, en tout cas de ces apprenants-là, et ensuite constituer des groupes de projets. On a pu essayer de transformer maintenant ces idées-là en mode projet. Donc ça c'est la première journée. La deuxième journée, une fois que les projets ont été donc identifiés, comment mettre en place son projet? Quelles sont les différentes étapes essentielles pour la mise en œuvre, en tout cas, ou la réalisation d'un projet? Donc essayer de mieux comprendre le client, le segment de client à qui on va vendre ce projet-là. On a eu ce projet, pourquoi on a eu cette idée-là? Pourquoi on a décidé d'entreprendre dans ce type de projet-là? Mais elle s'adresse à qui? À quel public? Donc c'est la connaissance du client important, mais également la proposition de valeur, c'est-à-dire l'offre que vous allez proposer, comment vous allez la présenter à votre client, mais surtout comment vous allez vous différencier par rapport aux autres. C'est la proposition de valeur qu'on apporte. Donc on a eu à travailler donc sur la value proposition, donc un canevas qui est un outil pour synthétiser, en tout cas représenter l'offre et la demande. Ensuite, nous avons travaillé le troisième jour sur le modèle économique. Une fois qu'on a pu identifier le segment des clients, leur profil, donc essayer de comprendre, se mettre à la place du client, et par rapport à notre offre qu'on apporte, à notre service qu'on apporte et la valeur ajoutée qu'on apporte à ce type de client-là, comment maintenant on va le mettre en place et gagner de l'argent à travers le modèle économique, le modèle d'affaires de notre projet. Ça, c'était le volet BMC, ce qu'on appelle le business model Canva. Également, on a travaillé sur un outil qui va synthétiser, d'accord, toutes les étapes de création d'un projet ou d'une entreprise, avec différentes parties essentielles, en tout cas au développement d'un projet. Et ensuite, on a fini par la présentation, le pitch, l'initiation au pitch, c'est-à-dire comment présenter, une fois qu'on a bien structuré, on a bien modélisé son projet, comment on va le présenter devant des partenaires, comment on va le présenter devant un jury, comment on va présenter devant des investisseurs. Donc c'était la dernière étape donc, de notre formation donc d'hier, et aujourd'hui on a fait les restitutions. On a vu comment les étudiants, ces apprenants-là, ont pu présenter devant un public. C'est vrai que c'était pas facile, c'était la première fois pour eux, mais bon, on a eu restitué avec la présence même de Madame la Directrice. Ils ont pu venir présenter leur projet à Madame la Directrice de l'ISEP. Cette formation nous permet de voler avec nos propres ailes, nous dit que nous oriente vers l'entrepreneuriat. Cela nous a motivés, nous a apporté beaucoup de choses, nous a augmenté le courage, avoir une vision à long terme dans le futur. Moi-même, je me suis toujours posé la question à savoir, j'ai un devoir de participer au développement économique de mon pays et d'aider ma société. Pourquoi pas ne pas me lancer dans l'entrepreneuriat pour protéger mon environnement et participer au développement économique de mon pays? Nous disons merci, encore merci pour cette formation. Ils nous ont donné le courage de persévérer, d'aller en avant et de ne pas baisser les bras. Durant cette formation, j'ai appris qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat, comment entreprendre et comment mettre en place un projet. Et avant de mettre en place un projet, il faut avoir d'abord l'idée. Et l'idée provient de l'environnement, de la passion. Et avoir l'idée pour atteindre nos objectifs. Et après, le projet. C'est une formation qui permet à nos apprenants d'avoir déjà une idée de c'est quoi l'entrepreneuriat, quels sont les concepts de base pour créer une entreprise. Et ça vient, c'est un surplus en fait, par rapport à leur formation, parce que c'est prévu des modules d'entrepreneuriat. Donc nous, on forme des étudiants professionnels, donc aptes
à intervenir dans le milieu du travail après leur formation. Donc cette formation, c'est comme un stimulus qui les permet dès le début de la formation d'avoir ces idées-là, de mettre en place des projets. Donc ils pourront affiner durant toute la formation et de pouvoir y aller au niveau de l'entrepreneuriat. C'est avec un grand plaisir que je suis venue représenter ma collègue, Mme Seynabou Samba, la responsable du volet entrepreneuriat. Comme Mme la directrice vient de le dire, je voudrais vraiment féliciter les apprenants. Parce que le rythme a été intense. Au nom du PCRE, de la CTP du PCRE, nous renouvelons notre engagement à vous accompagner dans vos différentes activités. Je vais brièvement présenter le PCRE. Le PCRE est le programme d'enseignement supérieur des énergies renouvelables et efficacité énergétique, qui est un programme de la coopération technique allemande du GIZ. C'est un programme composé de trois volets, le volet RISEP, le volet MIER et le volet entrepreneuriat. Cette activité qui nous réunit aujourd'hui entre dans le cadre du volet entrepreneuriat. Comme je viens de le dire tout à l'heure, on est prêt à vous soutenir autant que ça soit dans l'entrepreneuriat, dans le cadre du RISEP, parce qu'il y a une formation qui est prévue très prochainement en séchoir solaire et nous serons disposés vraiment à vous accompagner là-dessus. Je pense qu'au sortir de cette formation, vous allez en fait prendre le temps pour mieux en fait travailler sur vos projets d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est essentiel aujourd'hui pour vous. À la fin de votre formation, les 2 ans, vous n'aurez plus peur de dire où est-ce que je vais trouver du travail. Mais déjà, vous avez enclenché quelque chose, vous avez démarré quelque chose. Donc, vous aurez juste besoin d'appui. Les ISEP seront là. Vous avez les partenaires aussi, la GIZ qui sera là pour nous accompagner. Je dis nous accompagner parce que nous sommes une famille aujourd'hui. Donc, vraiment, je remercie la GIZ, PCRE, vraiment, pour ce qu'ils nous ont offert. C'est une opportunité qui n'est pas offerte à tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons dire que merci. Vraiment, merci. Jeunesse au Sénégalo,